Salut à toutes et à tous, c'est Timur. On se retrouve sur Project Zomboid. Défi Zer Billions. On était en train de les cramer à l'entrée de Riverside. Et puis là, ils sont plus là. Ah si, ouf! On les crame toujours, allez. On essaie d'avancer avec le groupe qu'il y a là. Et on va les faire descendre tranquillement vers le petit bar qu'il y a en dessous. Faut qu'on se pose. Il est 11h50, ça va, on a de la marge. On a une grosse marge, donc on en profite. Et là, on a peut-être l'entrée du parking juste devant le bar. C'est ça, je pense. Yeah! Allez, venez vous faire cramer, les gars. Donc, il y a un magasin intéressant. Celui-là, où il y aura de la bouffe, à mon avis. Il y aura beaucoup de choses. Et juste en dessous, normalement, il y a le bar. Oh, il y a du monde. L'idée, c'est d'attirer tout le monde. Ouais, le bar est par là. On nettoie, on nettoie, on nettoie. Pour être tranquille pour la nuit. Wow, c'est traîné. Impressionnant. Attention, hein, quand même. Faut pas attraper. Ce serait moche. C'est pas encore l'heure de mourir. Enfin, on espère. Elle est terrorisée. Rien ne va plus. Elle se dit, mais qu'ai-je fait? Pourquoi avoir provoqué cet incendie? Qui se rapproche dangereusement en plus de la ville. Alors le truc, c'est que pour dormir, par contre, ça va être un peu galère. Parce qu'il n'y a pas de lit. Ça va être le problème, quoi. Ouah, belle petite boule. Autre chose aussi, on est loin de la rivière, donc pour se laver, c'est pas trop ça non plus. Doucement, quand même. On reste attentif. Oh, ça fait de ces flammes, hein, quand même. Là, je vais essayer d'en faire sortir encore un peu de derrière. À mon avis, il y en a. Ouais, ça tape dedans. De toute façon, c'était sûr. Il y a une partie qui se bloque à chaque fois. Ça y est. On voit les corps qui tombent. On va visiter en même temps. Juste en dessous. Pendant qu'on a les enflammés. Souvent, il y a des bagnoles de sport. Bah ouais, il y en a une. Devant ce bar-là, c'est tout le temps comme ça. Deux bagnoles de sport, ici. Trois! La vache. Allez, les gars! Venez vous mêler. Soyez pas timides. Bon, puis après, on nettoie nous-mêmes. Bah, c'est pas mal déjà. Ça remonte. Attention. Il y a un truc, il nous fallait des outils. Ça vaudrait le coup aussi de descendre. Mais ça, on le fera le lendemain. Avec un groupe d'enflammés et d'aller du côté des entrepôts. Ça, ça serait très très bien. Hein. Puis il y a une ferme pas loin là. Là, pour l'instant, j'hésite. Je sais pas où m'installer, réellement. Hep, hep, hep! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous faites ici? T'as pas le droit d'être là. J'ai appelé tout le monde. Donc, pas de resquilleur. Je vais remonter un peu sur ce chemin-là. Ça me paraît drôle hein, qu'il y en ait si peu. Ah, voilà, 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 voilà. On retrouve une petite compagnie, là. Allez, hop, on vide aussi. Faut que ça vienne. De toute façon, ils vont revenir. C'est sûr et certain. Il
Faut se dépêcher parce que ça commence à tomber. Il y en a plus beaucoup. Venez cramer s'il vous plaît. Dépêchez-vous. Sinon ça va pas le faire. Ouais, vous tous. Venez vous rouler dans les flammes. Allez! Ils sont timides. Voilà, on essaie de faire le petit mélange final. Ouais, ils sont de nouveau quand même un petit nombre. Ça va encore. Je pense que ça évite qu'on se fatigue en gros. Voilà, si on passe par là. Hop, la boucle est bouclée. Les autres passent dedans, c'est parfait. Bon, ceux de devant l'ont pas fait, mais ça ne saurait tarder. Je revérifie. Il y en a deux autres. Et ça commence à être bien. Le truc, c'est qu'on va peut-être aller se laver, hein, mine de rien. Ça a porté ses fruits à chaque fois. Il est que 14h30. Et on fouillera ce qu'il y a au-dessus. Comme ça, après, on redescend. Ce serait bien d'en terminer là, d'aller se laver pour être tranquille. Ne plus avoir cette angoisse permanente. Allez, on finit. Crevez, s'il vous plaît. Dépêchez-vous. Ouh, ils essaient de jouer un sale coup. Ils resserrent d'un seul coup le truc, là. Ça a bien cramé tous les arbres autour. La vache. Voyons voir. J'aperçois plus personne hein, dans ce coin-là. Allez, il reste quelques arbres, les gars, là. Faites un effort, quand même. Ce qui est étonnant, c'est que malgré qu'il soit cramé, on voit plus à travers quand même. Enfin, on voit pas à travers. Ça devient bon. J'ai bien avoir un dans l'eau. Ça sent la fin. J'espère. Voyez-vous, j'ai envie d'aller me laver maintenant. Je ne supporte pas la vue du sang. Cette lenteur. On sent la panique aussi. Hein. La panique est forte. Le truc, c'est que elle s'habituera jamais, c'est ça qui est moche. Alors, faut que je me rappelle de son prénom parce que j'ai zappé. Carrie. Attention, attention. Ouh là là. Ce coup dans le vent qui a failli être fatal. Un non enflammé dans l'eau, dis donc. Ça y est, elle distribue. Attends, 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 attends. Sois patiente. Ne t'enflamme pas, s'il te plaît. Il nous en reste deux.
Ok. Alors, 15h40. L'idée, déjà, c'est de faire le tour et de voir si tout va bien. Ensuite, il faut aller se laver. Ça ne va pas bien car on voit des aides. Meurs. Merci. J'espère qu'il y aura des armes là-dedans quand même. Un petit peu. C'est ça qui serait bien. Hein. Un petit peu d'armes. Par là. Ok, ce groupe. Et l'intérieur, ça tape un max. Notamment ici. Des deux côtés. On est bon. On lui ouvre. On leur ouvre. Vite, vite. Voilà. Donc ça tape encore un petit peu. Un petit peu beaucoup même. D'accord, il y a lui. Ils sont deux. Ils sont trois, je pense. Zut. On n'a plus le choix. Ce sera pied de biche. Faut que ça tienne, hein. Cet enfoiré, dis donc. Tu venais d'où? Ils étaient nombreux encore là-dedans. Ils sont deux, là. Cool. Ça c'est fait. Bon, c'est pas très sécurisé cet endroit. C'est le moins qu'on puisse dire. Allez, il faut aller se laver vite fait. C'était pas très loin. Alors j'étais remonté. Alors j'étais redescendu. Ouais, de là. Ouais, ça doit être là. Hein. Tout bonnement. Qu'est-ce que ça fait bien nettoyer quand même? Ok. Ça fait très très bien nettoyer. Et ici, là-dedans, déjà on peut pêcher, parce qu'il y a des cannes à pêche. On aperçoit aussi des aides qui se sont glissées. Et qui arrivent, ok, il y en a de deux côtés. C'est pas grave, on a encore le temps, allez. On panique pas. Allez, vite. Essayez de faire le taf quand même, parce que... Il y a du monde. C'est le principe. Il y a toujours du monde. Allez, pousse-toi. Voilà, on fatigue. On sent un manque d'efficacité avec le pied de biche. Il y a quelqu'un derrière. Faut que j'aille me reposer sur le banc, vite fait. L'eau, elle est au-dessus, mais... Est-ce que ça, là-dedans... C'est des réserves d'eau? Peut-être, hein, quand même. C'est bien. Je vais aller me laver au-dessus. Je vais garder les barils pour moi. Purée, ça n'en finit pas.
On se dépêche. Aïe aïe aïe. On va fermer ça. Se reposer 2 secondes pour perdre ce problème. Se laver et aller vite fait, bien fait, vider. Parce que c'est pas fait. C'est pas fait là-bas en bas. Ok, c'est pas mal. Alors déjà, je vais prendre un antidépresseur. Je vais remonter tranquillou. Et il y a la flotte juste là. Donc ça, c'est très bien. Il y a du zombie aussi. Ouais, il y a pas mal de zombies qui viennent, dommage. Oh là, il y a trop de zombies. Pourquoi ils ont pas été se cramer ceux-là, sérieusement. Vous saoulez les gars. Je vais aller de ce côté-là. Voir ce que ça donne plus loin. Ça a l'air pas trop mal ici. Donc je me lave, j'en profite. Je cours quand même assez longtemps. Ok, ça devient bon. Ils n'ont pas suivi, c'est cool. Ce que je me dis, c'est que pour la nuit, on va peut-être retourner dans la maison où on avait dormi. Parce que c'était plutôt safe. On a en plus entraîné beaucoup de zombies dans l'autre sens. Je sais pas ce que ça peut donner. Mais logiquement, ça devrait aller plutôt bien. Alors, je peux pas prendre la lampe torche avec cette arme, c'est dommage. Bon, là, il est pas encore trop tard. On a du zombie. Ça va pas tant que ça. Attendez, il faut se dépêcher. Faut que je retrouve l'autre endroit. Oui. Surtout que là, j'ai pas trop de puissance, hein. Je suis fatigué. Ils ont cramé, hein, pourtant. Ouais, le feu est là. Ok. On récupérera. D'accord. Faut se dépêcher. Ça va pas. Finalement, c'est le mauvais plan. C'est le mauvais plan parce qu'on dirait que c'est venu autour. Est-ce qu'ils sont tant que ça? Ouais, j'en vois 3. Je vais tourner autour de celle-là. Oh là là, c'est chaud. C'est chaud, il y a une vitre cassée. Je vais tourner autour de l'ancienne là-bas. Mais un peu... dans la merde. Un peu beaucoup. Il nous reste peu de temps. On jette un œil comme ça en tournant. Ça paraît calme. Ça viendrait vers moi. J'ai pas l'impression.
Ça, c'est un tuyau cassé. Ouais. Ok. Alors, attends. Voilà, déjà, il y a un petit magazine, ça te fera du bien. On va mettre la fenêtre pour lire ça. Ok. Il est 21h, ça a l'air d'aller. Niveau bouffe, bof. Ah! Yes. On va se bouffer. Ça. Plus ça. Et après, on lit. C'est bien. Bon, je mets pas la lampe torche parce que je pense que ça va attirer direct. On n'est pas encore prêt pour ça. On espère que par la suite ça ira mieux, mais pour l'instant, on est méfiant. Bouteille presque vide. Let's go pour lire. On lit jusqu'à 23h et on se couche. 23h. Dodo. Ok, c'est bien, on se réveille à 7h en même temps. Comme ça, il fait bien jour. Pas de soucis. Ça, on va l'emporter. Moi, tu peux te lever. Et on est reparti sur la route. Ouais, comme quoi... Voilà, il y avait du monde. Il y a du monde qui revenait. On va essayer de prendre de la bouffe. On va récupérer le feu aussi. Pousse-toi. Ça, c'est pas mal. C'est même parfait. Ça va attirer par contre. Qu'est-ce que t'as dans le dos? Rien, c'est un bandage. Couché. Voilà, parfait, t'as tout compris. Bon, si on sécurise bien ce coin-là, en même temps, après, on peut revenir. Hein. Si jamais ça merde. Par contre, on a que le pied de biche, c'est ça qui est un petit peu gênant. Il y a la hachette, mais j'ai envie de la garder. J'en ai déjà un de ça. Ouais, je crois. Ok. Je vais aller là-dedans. Je sais plus si j'y étais allé ici. Je m'en rappelle plus. Et puis là, avec deux parties en cours, ça va être encore pire. Là, ça va être la cata. Hein. Attention. Ah, je crois que je suis pas venu. Une mallette à fusil. Tiens, un fusil dedans. Ah ouais, avec des mules. Intéressant. Couture 1. Métaux 1. Plus des bouquins. Pour l'instant, on n'a jamais trouvé de marteau, c'est incroyable. Ouais. Pour les petites fins. C'est tout? Eh oui, c'est tout. Aïe aïe aïe. On peut pas prendre grand chose. Oui, j'avais déjà vu. Je vais me servir. Par contre, on est trop chargé. C'est un petit peu gênant. Bon, je pense que c'est parce que j'ai de la bouffe sur moi, mais en même temps, à la fin, donc on va tout bouffer direct. Petite soupe à boire. Et une autre soupe champi. Et après, faut avancer, allez.
Donc les maisons du quartier, c'est pas mal. Parce qu'elles sont quand même bien sécures. Le petit feu est là. On a un endroit de repli, puis après on pourra venir chercher par exemple un lit. Si on en a besoin, qu'est-ce qu'il y a là-dessus? C'est quoi ce bruit? C'est la radio. Ok. Je prends quand même, tant pis. Y a pas grand chose hein, sinon. C'est des maisons assez pauvres. Ça, je l'ai pas lu. J'ai l'embarqué. Allez, je fais juste ces maisons-là. Ces trois-là, je prends mon feu. Je regarde l'état de mon pied de biche. Et ça va encore. C'est pas tant la cata. Ça, c'est ce qui permet de se débarrasser des aides actuellement. Il y a une batterie standard neuve là. Je vais l'embarquer. Parce que ça peut servir, franchement. Elle a l'air en bon état et tout. Ok. Ouais, quelqu'un qui me disait, tu prends jamais ça. Je prends, mais bon, après, on manque jamais réellement d'armes. Du coup, j'ai jamais trop utilisé les trucs de réparation. Plutôt la colle à bois, d'ailleurs. J'ai vu qu'il se déplaçait beaucoup. D'ailleurs, lui m'a vu. Faudra larguer des trucs. Voilà, je passe pas au bon endroit. Je passe là alors que je suis méga chargé. C'est pas bon. Bon, clairement, là, il y a eu du retour déjà. A priori, j'avance pas vite, hein. J'ai vu comment il me colle. Vas-y, accélère un peu. Ah oui, dis donc. Ça va pas là. Une petite blessure de fatigue. Dépêche-toi. Je pense que là, dans les arbres et tout, il y en a plein. Ça a l'air ok. Et là, ça l'est plus. D'accord, c'est plus du tout ok. Bon! Ils sont revenus. Je vais poser tout ça. Mais lui, il me calcule. Mais laisse tomber, quoi. Je m'assois 2 secondes. Et puis, on voit ce qu'on peut faire. Bon, j'avais dit, on emmène des enflammés du côté des entrepôts. Ça serait pas mal, hein, de faire ça. Ok, on va se dire que là, on est reposé. On a pu se poser 2 secondes. Je vais virer les livres ici pour l'instant. Et comme ça, on est déjà mieux. Il reste un peu de bouffe. Donc ici, quel est le problème? Ça donne ça. On va se débarrasser de ce monde-là. Alors, comme d'hab, ça arrive en masse. Ça, c'est bien. Vas-y, va sur lui. Va aller sur lui. Est-ce que ça, c'est mieux? Je sais pas d'où ils sont venus, ceux-là, ces arbitres, quand même. Je me demande s'il y aurait pas des battes dans le bar, on va aller voir. Aïe, aïe, aïe. Mauvais plan. On sent qu'elle a pas de puissance avec cette arme. Oups. On se dégage.
Ouais, je pensais pas galérer en venant ici le lendemain, quoi. C'est ça. Bye bye. Allez, faut crever, les gars. Bravo. Je regarde un peu partout. Là, il y a un solitaire. Je me repose 2 secondes. Et ce qu'il faudrait, du coup, c'est vraiment déjà se poser à un endroit. Et puis peut-être aller du côté des entrepôts. En faisant brûler du monde, c'est pas si loin que ça. Je vais récupérer le feu au passage. Faut faire boule de neige un peu. Allez vite. On n'a plus tant de temps. Là je suis bon. J'ai encore de quoi allumer. Tout seul a disparu. On va regarder le bar. Ça a l'air assez calme. Ce qui est embêtant, c'est que dans cette config, on est toujours obligé d'être très très haut pour voir ce qui arrive. C'est quand même primordial. Parce qu'on peut vite être surpris. Là, d'accord. Et je vais regarder vers le bas, comme ça... C'est marrant, c'est vachement désert, là. Installer feu. Là. Ok. Là, je vais avoir du mal à attirer. Faut que j'aille chercher des gars derrière, après. On va voir si on peut. Ça a l'air compliqué. Oh ! Ça va pas être compliqué. Ajouter carburant. Mince. J'ai pas de carbu. J'ai laissé mes livres. Je vais prendre tous ces fringues à lui là. Ça va être compliqué. Vite! J'ai tout mis dans le mauvais sac. Je m'attendais pas à ça. Ajouter débardeur. Brouille. Ajouter pantalon. Vite, vite, vite! Allumé. Tant pis avec le magazine, je m'en fous. Ajouter. Faut que j'aille chercher d'autres trucs. Faut au moins un qui est enflammé. Au moins un et ça suffira. Voilà. Bah ça va se passer là, hein. Ça va, c'est qu'il est tôt. Purée, ça va être chaud. Ça va être chaud. On s'organise. Allez les gars. On vient cramer. Bon, ça va pour l'instant. Ça m'a ramené que ça. Finalement, c'est pas chaud. Ça
ça y est, ça me ramène quand même plus de monde. Non. Après, si on vit de ce coin-là, ça va, non? Là, il va se vider, je pense. Ça paraît clair. Oh, ça fait peur. Là où ça va un petit peu donner aussi, c'est quand ils vont arriver de la ville, en vrai. Parce que globalement, c'est là qu'ils se concentrent le plus. À moins que ce soit qu'un passage comme ça. Pas dit. Il revient. L'intérêt qu'il pourrait y avoir aussi, c'est après de retourner dormir au même endroit. Allez, de la discipline, les aides. Qu'est-ce que ça va donner, ce feu? Ah, c'est un petit peu l'inconnu. Pour l'instant, de là, ça vient pas. Bon, une fois qu'on aura nettoyé un petit coin, on est tranquille, hein. Je pense. Pour un certain temps, vu la faible repop. Le truc, c'est de voir si ça arrive à faire venir de loin des aides plus situées en ville. J'ai pas l'impression pour l'instant. Je trouve que c'est assez calme. Regardez, il n'y a que ça. Ici, là. Ça a l'air d'aller. J'espère que ça va pas durer toute la journée, quand même. Là, on dirait qu'il y en a un petit peu. Mais ça passe quand même bien. Faut pas qu'il y en ait un qui suive l'hélico. Ce serait ça le problème, je dirais. Ça y est, ça tombe. Donc ça, c'est cool parce qu'on se débarrasse des problèmes. Ah, 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 ah. Est-ce qu'on aurait du monde maintenant? Un petit peu. Ah oui, un petit peu quand même, là, ça y est. N'allez pas sur mon bar, hein. Ah, ce serait bien qu'ils reviennent plus maintenant. Il est 14h30. C'est pas mal comme ça. Obtempère, s'il te plaît. Ne reviens pas. Regarde, tu as ramené beaucoup de monde quand même. Suivez-moi. Voilà, et vous vous concentrez au même endroit tous, s'il vous plaît. Ah, il revient encore. Ça, ça commence à puer sévère. S'il y a trop de monde, ça va pas aller. Ils vont s'éparpiller dans tous les sens et ils vont partir enflammés partout. . 14h50. J'espère que c'est le dernier passage.
On va faire que ça, hein, je pense, sur l'épisode. Pour l'instant, j'ai envie de dire, on limite la casse. Allez, passe, 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 passe. Voilà. On entend un hurlement en plus. Il y a des gens qui se cachaient dans le coin, je crois que c'est foutu pour eux. Ah, c'est la tension là, la grosse tension. Ils sont très éparses. Ils sont attirés en même temps par mes cris. Il faut pas qu'ils me lâchent. Mais beaucoup par l'hélico. Donc ils ont tendance à pas venir à fond. C'est terrible. Ils sont passés à fond dans le bar en plus. Donc ils ont pété tous les carreaux. Les portes vont être cassées. Je pense que le bar est peut-être inutilisable pour l'instant. Allez, concentrez-vous encore une fois, s'il vous plaît. Revenez. Et ça déverse, et ça déverse, et ça déverse, ça n'arrête pas. Attention, on passe par là. Ça continue de venir. Oh là là, ça devient gros. Ça devient très gros. C'est un hélico sans pitié. Ce premier hélico fait très très mal. Parfois ils sont pas longs, hein. Mais là, il est très long. Je sens que la ville va y passer un petit peu. Ça va être dur d'éviter. Je pense qu'il y en a qui sont déjà partis. Regardez, regardez, regardez. Oh là là, ça c'est la ville qui arrive. Ça va être chaud. Allez là, reviens plus s'il te plaît. Ah, j'ai fait un gros gros mur de flammes. Ça déjà, ça les oblige à passer dedans. C'est bien. Faut que j'aille voir. Je crois que c'est fini. C'est la bonne nouvelle. On a peut-être le temps de terminer avec tout le monde là. C'est faisable. De ce que je vois, c'est faisable. Faut que j'aille au plus proche des bâtiments pour vraiment appeler tous ceux qui sont derrière. Parce que je pourrais pas les faire à la main. Il sera trop tard. Il sera 10 fois trop tard. Allez, venez, 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 venez. Allez, on vient. Ah, désolé d'être aussi haut, hein, en termes de vue. Je préfère quand c'est plus bas, plus proche. C'est plus sympa, mais là... Pour voir, c'est impossible. Je peux pas aller dans des endroits où il y a plein de Z qui m'attendent, ces coupes-gorges. Ça paraît toujours facile à faire, ce truc-là, mais il faut pas faire d'erreur. Là, par exemple, je m'engage dans un chemin qui pue. Ah, ça va être le soir. Terrible constat. On n'a pas avancé d'un iota. On n'a pas d'armes. Juste le feu. Le feu est puissant, bien sûr. C'est clair. Mais quand même. Allez, venez là-bas. On va voir tout le monde. Tout le monde au rapport. La vache. Un endroit où il fait bon vivre, hein. Complètement calciné de partout.
Vas-y, 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 remonte. J'ai plus beaucoup de temps, hein. Il crame pas vite quand même. On a perdu la horde. Et ça continue de venir. On vit peut-être la fin de notre cher Kari. Parce qu'on a du mal à garder cette horde entière. En plus, il y a des aides qui continuent d'affluer de partout. Sinon, on va se rapatrier au niveau des maisons. Hein. Pas le choix. Peut-être qu'on va faire ça. Et tant pis, on aura commencé à vider cette zone. Et on y reviendra plus tard. Ouais, ça continue d'affluer, ça n'arrête pas. Le risque, c'est aussi que ça ait bougé autour des maisons. Hein. Je vais voir un peu. Ah, ça commence à être plus clair. Et ramenez-vous. On va recentrer un petit peu le truc. Voilà. Ah, surtout qu'il y a un enflammé comme ça qui se promène. On sait pas d'où il est venu, quoi. Ah, de toute façon, faut pas hésiter à utiliser le feu dans un cas de figure comme ça, je pense. Hein. C'est la meilleure solution, même si wow, on voit que ça continue, ça continue, ça continue. Ça n'arrête pas. Quel carnage! Ça se fait à petit feu, hein, mais ça se fait vraiment beaucoup quand même. Là, je vais tourner autour du bar. Vraiment pour les recentrer autour. 18h et quelques. Oh là là. Ça craint. Allez, rassure-moi, il y a un moment où il n'y en a plus, non? Je sais pas quand c'est ce moment, franchement. On dit qu'on arrête à 20h. Franchement, on se casse, tant pis. Tant pis pour l'endroit. Je laisse tomber parce que là, je vois pas la fin. Ils arrivent au compte-goutte, je sais pas pourquoi. Ouais, ça continue de se déverser, regardez. Ils arrêtent pas de venir. Dix-huit heures trente. Allez, on crève. Je vais regarder un petit peu. Ouais, ça change pas des masses. Hein. La zone noire, zone sombre. Les terres brûlées. C'est ici que ça a commencé. Dix-huit heures cinquante. Compte à rebours lancé. Bon, on va profiter quand même que là on ne tape pas. On va mettre ça en secondaire.
Coucou. Allez, pointez-vous. T'as une petite faim. Est-ce que on pourrait pas manger? On va ouvrir ça. Et ce qu'on voudrait, c'est que vraiment les derniers crament. Bon, je reviendrai le lendemain pour jeter un coup d'œil. Là, j'appelle plus. Hein. Bon, puis je vais partir avec ceux-là. Là. Là, ça me suit. On va tranquillement bouger. Allez, venez. C'est cramé de partout. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh, j'ai pas vu, je regardais plus loin. J'ai pas vu. Ah, c'est terrible! Terrible, c'est un gros coup dur. En fait, je sais pas si c'est une bonne idée de partir. Ça me condamne peut-être. Ouais, peut-être ce qui reste là, on le crame et puis on croise les doigts, quoi. Il reste 3 heures. Je suis fatigué. C'est la très bonne nouvelle qui vient. Aussi. La fatigue est là. Je pense que là on a tout. Alors, est-ce qu'on crèvera la nuit? Quand on ira se coucher, parce que je pense que je vais me coucher dans cette bagnole. Je vois pas de solution là, en réalité. J'appelle un petit peu, mais pas trop. Faut que je fasse un cercle autour de la bagnole. Et que personne n'y vienne. Vas-y, venez plus. Tourne autour. Cramez tout, s'il vous plaît. Allez, c'est faisable. J'emmène pas large. Bon, on compte même pas les brûler là, c'est un truc de fou. On peut faire plus gros en termes de taille de horde qui brûle, mais là, c'est sur le nombre en continu quoi, qui vient se cramer, c'est un truc de malade. Nous n'avons plus le temps. Il ne reste plus beaucoup de temps. Alors faites-moi plaisir. Non, ne le faites pas. C'est une nuit très sombre. Terriblement noire. Intense. Et ce qu'il faut pas, c'est que ce soit la dernière. J'espère qu'on pourra rentrer dans cette voiture. C'est un petit peu mieux.
Ça s'écroule, ça s'écroule, ça s'écroule. Ah, y a mon stuff qui est là par terre. Ouh là là, ça brûle, attention. Ne te brûle pas surtout. Ah oui, il faut s'arrêter pour ouvrir. Situation ultra stressante. Allez, pas de survivants. Ah, ils brûlent tous, hein. C'est long. C'est très très long. C'est beaucoup 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 trop long. Putain, mais... Sérieux? Est-ce que toi? Allez, décède! Ah, yes! On est dedans. On va s'ouvrir ça. Et le bouffer. Comme ça, on a moins faim. On a encore faim, mais moins. On peut plus jeter par la fenêtre, c'est pas grave. Je garde sur moi, y'a pas de soucis. Ah tiens, j'ai même des godasses... Comme ça, là. 22 h. Et si je dormais? De toute façon... Là, ça advienne que pourra. Allez. Attention. Hop. Ah si ça tombe. Hey, crève, tombe. On va pas jouer ces petits jeux tout le temps quand même. Ouf. C'était chaud. C'était chaud, c'était chaud, c'était chaud. Il reste une demi-heure. Saloperie, j'ai failli crever à cause de lui. Pourquoi on entend toujours des flammes? C'est ça qui est bizarre. C'est un petit bug. Alors on est barbouillé, mais ça c'est parce qu'on est au milieu des cadavres. Vous étonnez pas. Purée, il était chaud, lui! Il m'a fait flipper. Mais je me disais, ouais, ça tiendra pas tout le long. Si j'arrête pas de changer. Ça va tenir un petit peu, mais pas tout le long. C'était sûr. On a survécu, c'est tout ce qui compte. Lis-toi un petit magazine. En attendant que 6 h sonne. 6 h, c'est le moment où tout va mieux. Le répit arrive à 6 h. Voilà. On est sauvé.
On va sortir. Ouf! Voilà. On va équiper le pied de biche. Se débarrasser des trucs de merde. Ah ouais, puis j'ai oublié, mince. Ça s'est vidé du coup. Ah, ça c'est dommage par contre. On va aller voir si tout va bien en bas. Mais d'abord, je vais juste faire un petit tour là-dedans parce que normalement il y a des conserves et tout. Beaucoup de trucs à bouffer. Ah. Bien sûr. Allez, on meurt les gars. Vite fait, bien fait. Super. Oh, c'est pas fini. Purée. Ils étaient là, hein. Ils étaient tout proches. Il y en a plein derrière, on dirait. On n'arrive pas à terminer cet épisode. Alors fais voir, fais voir, fais voir, fais voir. Et toi. Et il y a toi là-haut. Tac. Une petite pièce comme ça dans le fond, bien isolée. Une autre pièce. D'accord. Là, c'est cassé. On bouffe ça. Ouf. Oh, c'est cool. Bouge. Putain, mais j'étais bloqué. La vache. T'as fini ton mac and cheese? Ils m'ont fait flipper, là. D'accord. Ça se met à bouger. Bon, il y a une réserve de bouffe, on a vu. Et vous deux? Ils sont plus si nombreux quand même, je pense, hein. Mais comment tu te relèves, il est sur toi? Des fois, ça marche pas, ouais. Bouge. Ah, t'es saoulant. Vas-y, tombe. Merci. T'étais définitivement saoulant. Toi, t'es bien. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, là, on a vu. Faut que j'aille voir si le bar a pas cramé, d'une part. Comment ça se déroule, l'autre part. Si je peux rentrer par exemple. Et puis on va s'arrêter là, parce que là c'était long. Mais c'était intense. C'était vraiment très intense, la vache. C'était fou. Ah, le coup de l'hélico. Puis ça va revenir souvent en plus. Je l'ai mis en souvent. Quelle bonne idée, j'ai eu. Allez, on voudrait juste voir, s'il te plaît. Ouais, nouvel objectif, là, pour la prochaine fois, ce serait de descendre vers les entrepôts. C'est-à-dire carrément emmener une horde vers le bas. Ouais, ils ont tout pété, là. Moi, je ferais bien ma base sur ce bar-là. C'est à l'écart, il y a des arbres. Bon, c'est bien cramé maintenant, mais c'est pas si grave. Coucou. Bon, je vais pas aller voir comme ça par là, parce que ça pue. Que je voudrais, c'est une batte. Même des briquets. Ah là là, pas de bol ça. Ah, ça craint sévère. On
se casse. Cocktail molotov à faire là. Ça éviterait de toujours trimballer le feu. À voir pour la prochaine fois. Ouais, je vous dis, je verrais bien une descente sécurisée, à part le feu, hein, toujours. Les entrepôts, et se poser un petit temps là-bas, histoire de faire le tri de ce qu'on peut prendre et tout. Mais venir s'installer là ensuite, parce que je pense que le quartier va être bien nettoyé, déjà. En plus, on a de la bouffe là, il y a une réserve. Bon, bah en tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut!